Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Pas de solution actuelle, pas dans quel miracle pour qu'a dit que nous avons pris un problème là qu'on y a. Alors si on fait une crise cardiaque, on connaît que des solutions tout de suite, il y a des mots. Mais pourquoi on a un bon problème, okay? Par contre, depuis près de 40, 50 ans quasiment, il y a un chercheur que y a de Claude Bernard. Claude Bernard, c'est un monsieur qui perd dans médecine expérimentale. Je t'ai dit que le microbe n'est rien, le terrain est tout. En d'autres mots, il dit que le microbe là, il prend rien, c'est côté lui par le poussière qui est problème. Donc c'est pas faut parfois on lutte seulement contre microbe là, faut essayer de garder côté microbe là vive. Donc c'est même raison qu'après, si on veut gagner un paquet de mouches moustiques d'un côté, on a deux choix. Soit on peut tuer mouche là, ou bien est-ce que on pourrait laisser nettoyer le bloyau pour pas gagner moustique qui fait. Donc je dis à même présenter nous une démarche de terrain. Prévention primaire, c'est avant. Bon, actuellement, Haïti, nous n'en pendant. Mais idéalement, dans avant, si on était bien fait avant, même nous bien fait avant, ce n'est pas bien dit que tu as lavé maintenant, ok? Si on était bien mangé, si on était fatra, si on a d'autres mots de l'eau, tu bois des bons de l'eau, d'autres mots, si tout pour la ligne de défense, toute ligne était bien préparée, vous avez remarqué qu'il y a très peu de cas pendant, ok? Et quand pas quelques pays qui étaient bien préparés pendant, avant, je prends japonais. Japonais, quand c'est que des régions au Japon, pas gain, pas quel monde gain, parce que monde sur tes de l'eau propre, ils mangeaient bien, moi j'ai pris de viande, moi j'ai pris de sucre, comme ça. Donc en d'autres mots, il y a quelques monde qui partent prendre du ça, qui viennent des problèmes. Mais si ou vraiment miser, même ta mise, t'as dit l'état, faut le miser avant, mais c'est pas qu'on y est. Avant, faut le faire depuis longtemps. Okay. Pendant ou prendre les maintenant, c'est là que des méthodes complémentaires. Madame Ouzier sur toi quelques approches, mais nous n'oubliez que nous-mêmes, nous avons changé de terrain. Donc, pour ne pas changer de terrain assez rapidement, c'est que nous ne pas nourrir le virus. Là. Donc, si nous mangeons trop et nous mangeons mal, nous ne nourrir le virus. Là. Donc, nous ne pouvons pas un régime restrictif et hypotoxique. Ou bien, nous avons mangé qui pas en cassel et on mangé qui permet de ne pas manger trop. En d'autres mots, nous ne pas dépasser ce que le corps a besoin. Parce que si nous mangeons trop, si plus manger, c'est virus qui va manger. Et surtout, si vous mangez plus de sucre. Donc, il ne faut pas manger trop de sucre. Il y a une autre bagaille qui est très simple et qui est importante. Lorsqu'on a une infection virale, ou pas, on a la fièvre. Il ne faut pas faire la fièvre tomber tout de suite. Parce que la fièvre est un mécanisme de protection. Une fois qu'on a un virus encore, on va déclencher la fièvre. Parce que ça, parce que le virus n'est pas qu'à supporter plus que 38 degrés. Donc, quand ça le fait, tant que le corps va créer un anticorps, il y a une fièvre. Mais si vous faites fièvre tomber tout de suite, vous avez dit bravo, vous avez avancé. Avancer. Okay? Donc, il ne faut pas faire fièvre tomber. Il faut faire une fièvre artificielle. Vous avez un bain chaud, au contraire. Vous mettez dans la chaleur. Vous avez fait sauna. Ou avez fièvre là, mais fièvre artificielle. Au lieu que c'est le corps qui fait la fièvre là, c'est vous qui faites fièvre là pour lui. Et remarquez que le virus n'a pas qu'à évoluer. Okay? Il y a un autre bagage que vous remarquez qui est très important. Il n'y a pas d'alimentation, alimentation, mais il y a un sommeil. Il faut dormir bien. Parce que c'est pendant qu'on dormit que le corps répare le corps. Si on n'a pas un bon sommeil réparateur, ou pas qu'à réparer le corps. Donc toutes ces cellules qui blessent, c'est pendant la nuit que le corps répare. Ils mettent des hormones de réparation. Mais dernière, c'est l'activité physique. Faut le monde bouger. Donc c'est des molécules que le corps produit, les produits l'offre l'activité physique intensive. Parce que le corps pense qu'il est en danger, là il produit en pile molécules. Donc, il y a des virus qui sont interférents, tant que naturel killer, ou qui doivent augmenter l'enfant sprint, courir vite. Il y a cette activité qui dure peu, mais qui est très intense. Donc, sous une bicyclette, vous faites sprint avec ou bien quand vous sautez. On va faire pendant 20 minutes, en tout cas, faire pendant 5 minutes, vous faites plusieurs fois. Okay? Ça fait que vous montez vite et ça permet de produire des molécules antivirales. Et ça, c'est pendant. Donc, je dis, il y a un monde qui était bon avant, il y a un bon pendant qui picote. Et il y a un carré qui est plus facile. Par contre, il y a un monde qui n'a pas mettre des mesures primaires en place, il parle d'un problème parce que le système est déjà débordé. Et maintenant, après, bah, là, que vous avez bah, la durée très peu, faut après ça, mettons, mettre en place un système avant. Il ne faut pas faire, il faut mettre en application.
Tu es comme si un monde qui fait une crise cardiaque, ou bien qui t'a mangé trop de graisse, ou bien qui t'a pris un problème de pneumonie. Après, maintenant, il était confirmé, il a fait une soignée, après, il tournait, il continue à fumer encore. Moi, je me dis, mon choc, un problème, parce que là, après ça, il faut pointer tout en main. Okay? Donc, après, c'est aussi important que pendant. Parce que après, éviter que vous gagnez une rechute. Parce que pas oublier qu'à l'année prochaine, nous avons l'autre virus qui va venir. Et chaque année, il y a un virus qui vient. Okay? Donc, ce n'est pas pendant les années que nous allons faire pendant. Il faut nous préparer le terrain avant le virus pour que nous ne pas prendre.